Yo YouTube, c'est Aristan Big Boss et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, partie 2, on va parler de la DMX. Voilà, dans la première vidéo, on a parlé de la base de la DMX, les différents câbles, comment adresser un appareil. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la consulter avant de partir sur celle-là pour connaître les bases. Voilà, comment adresser un appareil, les différentes parties de la table de mixage. Et puis bah voilà, aujourd'hui partie 2, on va parler voilà de scène. Voilà, qu'est-ce que c'est une scène, comment on crée une. Et puis voilà, différentes petites fonctions supplémentaires qu'on va parler en plus. Voilà, bah écoutez, c'est maintenant. Donc on va parler de scène. Voilà, donc elle se situe toujours sur les tables de mixage en haut. Voilà, de 1 à 8. Mais je vous rassure, vous pouvez faire plus de 8 scènes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Première page qui s'appelle des banques. Voilà, et les banques, voilà, vous avez un petit chiffre ici. Voilà, avec un plus et un moins banque. Voilà, vous pouvez monter très exactement jusqu'à 30, si je ne m'abuse. Voilà, 30. Vous pouvez faire donc 30 banques de 8 scènes. 3 fois 8, 24, 240 scènes. Donc voilà, vous pouvez faire au total 240 scènes. Et au juste, c'est quoi une scène? Bah, on va le dire tout de suite. Une scène, c'est, voilà, par exemple, j'appuie sur la scène 1. Bah, forcément, banque 30, j'ai rien créé. Voilà, banque 1, scène 1. Voilà, banque 1, scène 1. Voilà, j'avais mes lires dirigés de différentes manières. Banque 2, ça va d'une autre couleur. Banque 3, etc. Vous voyez, j'ai créé mes scènes. Comment on crée une scène? Bah, ça, je vais vous l'expliquer juste après. Déjà, il faut que vous ayez adressé tous vos projecteurs en DMX. Donc voilà, pour plus de simplicité, utilisez votre table de mixage. Voilà, je ne sais pas combien vous avez de projecteurs, mais moi, voilà, sur chaque scanner, j'ai mis un projecteur. Par exemple, sur mon scanner 1, j'ai mis la lire 1. Ok. Sur le projecteur 2, j'ai mis la deuxième lire qui est derrière moi. Sur le scanner 3, j'ai mis le projecteur à LED. Et sur le 4, j'ai mis mon petit laser vert. Voilà. Après, c'est à vous de les adresser correctement, à savoir à quelle adresse DMX correspond le scanner 1, 2, 3 et 4. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez fait tout ça, vous pouvez créer vos scènes. Donc, comment créer une scène? Bah écoutez, on va en parler tout de suite. Donc, comment créer une scène? Voilà, donc vous allez laisser le doigt appuyer longuement sur le programme. Voilà, une petite LED va s'allumer sur votre écran de contrôle. Et après, vous faites bah, tout simplement où les projecteurs où vous voulez qu'ils soient en fait. Voilà, donc vous les positionnez où vous voulez. Avec la couleur que vous voulez. Voilà, moi par exemple, je vais vouloir du bleu. La lire vers le bas. Voilà, ok. Voilà, disons comme ça. Après, je vais vous. Après, je vais vouloir ça et puis voilà, et après vous allez taper sur MIDI REC, donc vous sélectionnez la banque que vous voulez forcément et puis vous tapez le numéro de la scène que vous voulez. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, pour vérifier que votre scène est bien enregistrée, vous enlevez tout, blackout d'un coup, vous quittez le mode programme, vous enlevez le mode blackout et vous appuyez, vous allez sur la banque que vous voulez et sur la scène que vous avez enregistrée. Et on voit que la scène a bien été enregistrée sur la 8, scène 8, banque 4. Voilà, la chose que j'ai bien faite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous renouvelez à chaque fois pour toutes les scènes que vous voulez créer, tout simplement. Et puis bah, le tour est joué. Voilà, quand vous avez un show lumière, vous avez toutes vos scènes créées, ce qui est bien pratique. Comme ça, vous ne cherchez pas en live à faire tous les relever tous les faders, clac clac clac. Non, vous appuyez sur un bouton et hop, c'est parti, la personne est éclairée, le DJ, qui vous voulez. Et puis voilà, votre show lumière, il est prêt à démarrer en live, quoi, tout simplement. Et puis après, c'est une petite information supplémentaire, si vous voulez supprimer une scène, voilà, d'une banque, vous n'êtes pas obligé de la supprimer, vous refaites dessus, vous refaites la scène, MIDI REC, et vous appuyez sur le numéro de la scène. Et puis voilà, elle va s'inscrire automatiquement et elle va écraser automatiquement l'autre. Voilà. Donc, autre petite information importante, voilà, vous êtes en début de soirée, vous êtes avec les invités, vous voulez pas que ça reste une lumière, vous voulez pas que la lumière reste figée, là, vous allez utiliser le mode autodel.
Voilà, à quoi correspond ce mode autodèle? Bah en fait, ça va faire la transition de toutes les scènes d'une même banque. Voilà. Et pour cela, voilà, là par exemple, si je touche à rien, il va transitionner tout seul. Et pour cela, il va falloir toucher les deux petits faders qui sont là. Le premier fader, ça va être la vitesse, le temps en fait que chaque scène vont rester. Là par exemple, je vais le mettre à 1 minute 10. Et voilà, hop, ça va, 1 seconde 10, pardon. Donc ça, la scène va rester pendant 1 seconde 10 et va passer à l'autre automatiquement. Voilà, en général c'est un peu rapide. Moi je mets entre 3 secondes, voilà, 4, voilà, à peu près. Ah, c'est-à-dire que la scène va rester 3 secondes. 1, 2, 3, et va passer à l'autre automatiquement. Le petit fader juste à côté, il va servir, en fait, c'est le temps pour le projecteur à aller d'une scène à l'autre. Voilà. Donc là, en général, voilà, si vous voulez un mouvement très lent, voilà, vous mettez 50 secondes, 18 secondes, voilà, 9 secondes 8, voilà, comme ça, le mouvement, il est très lent. Forcément, il faut que le nombre d'à côté soit cohérent. Si vous avez mis 2 secondes 40, il n'aura pas le temps de faire le tour, alors que l'autre, vous lui avez mis 9 secondes 40, donc c'est pas très logique. Donc il n'aura pas le temps de faire le mouvement au complet. Donc il va falloir lui mettre éventuellement 14 secondes pour que lui fasse son mouvement de 10 secondes. Comme ça, il restera un petit peu figé arrivé à son mouvement. En gros, voilà. Voilà, et pour changer de banque, tout simplement, voilà, vous passez à la banque 2. Voilà, banque 2. Passer en banque 2 tout simplement et autodèle. Et après ça va transitionner tout seul automatiquement. Et vous pouvez passer d'une banque à l'autre automatiquement. Voilà, là je passe en banque 3. C'est-à-dire que toutes les scènes de la banque 3, il va les faire. Je suis repassé en banque 2. Et là je repasse encore en banque 1, ma première banque. Voilà, parce que j'ai fait que 3 banques actuellement. Voilà, vu que j'ai pas beaucoup de projecteurs, ça me sert à rien d'aller à 4. Et donc en conclusion, voilà, j'ai projeté les projecteurs vers moi. Voilà, vu que c'est moi la star là, c'est moi qui conclue ma vidéo. Voilà, donc j'ai fait une scène pour conclure ma vidéo. Voilà, j'ai le projecteur bleu d'un côté et un projecteur rose de l'autre côté, en sachant que mes deux lyres ont une adresse DMX différente et elles sont pas maîtres-esclaves. C'est-à-dire que l'une va pas faire exactement la même chose que fait l'autre. C'est moi qui vais les diriger. Moi, je veux une comme ça et une comme ça. Donc deux adresses DMX différentes. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez comment créer une scène, à quoi sert une scène. Voilà, la fonction autodèle qui est très pratique. Voilà, quand vous êtes à un petit cocktail, voilà, vous allez boire, vous allez trinquer. Voilà, vous ne pouvez pas être à la lumière et en même temps boire un verre. C'est très compliqué. Ou aller manger. Donc voilà, ça fait la transition automatiquement de vos scènes d'une même banque. Attention, d'une même banque. Et puis, bah voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? Apprenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous y répondrai. Et puis pour un petit rappel, pour faire une scène, vous appuyez longtemps sur programme, vous faites votre petite magouille avec vos faders, avec vos projecteurs, et puis après vous faites mi-direct et vous appuyez sur le numéro de la scène de la banque que vous souhaitez. Et ça sera enregistré automatiquement. Vous allez voir que toute votre console va clignoter pendant 2 secondes, même pas. Et puis c'est enregistré, vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi après, et c'est enregistré dans la mémoire interne de l'appareil. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah aujourd'hui je vais pas au kebab, je vais me reposer. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fera totalement plaisir, et à partager ma page si ça t'intéresse, et puis je te dis à la prochaine. Ciao les amis.